Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle édition des Boma Circles pendant la période du confinement. Ce programme est réalisé en partenariat avec le Huffington Post. Il répond à la mission que la communauté Boma s'est donnée, offrir de nouvelles perspectives pour répondre aux défis auxquels nous faisons face et aider les entreprises, les institutions, les citoyens à prendre des décisions plus éclairées. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux perspectives du monde après la crise du Covid et nous interroger sur la possible victoire des thèses collapsologistes. Alors, en effet, le coronavirus semble avoir imposé de nouveaux modes de vie, changé nos habitudes de consommation. Il nous invite à relocaliser nos productions, à réduire drastiquement nos échanges, nos déplacements, à tel point qu'on peut se demander si les collapsologues, les décroissants, n'ont finalement pas gagné la bataille des idées. Ils étaient marginalisés il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, nous agissons au quotidien selon leurs prédictions. Tout le monde n'est évidemment pas d'accord avec cela, tant sur le constat que sur la perspective, et c'est pour cette raison que nous avons voulu organiser ce débat aujourd'hui. Nous allons passer une heure et quart ensemble avec trois invités, une journaliste experte des questions environnementales qui défend le principe de décroissance, Agnès Sinaï, un économiste libéral qui, au contraire, tente de repenser l'économie globalisée, Nicolas Bouzou, et un chercheur en géopolitique de l'environnement, François Gemmel. Bonjour Agnès, est-ce que tu m'entends? Peut-être que tu peux activer ton micro, oui. Est-ce que tu nous entends? Très bien, bonjour. Bonjour Agnès. Bonjour Nicolas. Bonjour, est-ce que tu es là? Ah mais je suis là, et je t'entends, et je te vois. Et je vois, tu nous aimes. Bienvenue. Alors, on ne les voit pas encore à l'écran, mais on va les voir. Bonjour François. Bonjour Michel, bonjour à tous ceux et à toutes celles qui nous regardent et nous écoutent aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va? Ça va bien pour le moment. C'est long et fatigant, mais ça va. Si vous nous suivez sur Facebook, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous vous lisons et nous tenterons d'y répondre. Je suis accompagné aujourd'hui aussi par plusieurs membres de l'équipe de Boma France et du club Boma qui animeront avec moi cette conversation. Et je vous propose de démarrer avec Agnès. Alors Agnès, tu fais partie de ceux qui militent pour que nous repensions notre modèle de production et de consommation. Tu es l'auteur de plusieurs ouvrages, dont « Sauver la Terre », écrit avec Yves Cochet, et puis d'autres ouvrages, notamment avec Pablo Servigne. J'aimerais qu'on commence par poser une question très simple. Comment vis-tu cette crise du Covid-19? Écoute, personnellement, j'étais déjà un peu confinée avant le début du confinement, donc j'étais déjà retirée dans mes livres et déjà plutôt en télétravail. Donc en ce qui concerne mon mode de vie personnel, ça ne change pas grand-chose, je dois dire. Évidemment, les amis, les rencontres me manquent. Mais bon, sur le plan personnel, tout va bien. Sur le plan sociétal, je dirais que ce confinement évidemment m'inspire une certaine anxiété, les inconnus de la suite et aussi une certaine colère face à la pénurie de masques, de tests, de lits d'hôpitaux dans une start-up nation qui se veut performante mais qui, au moment où il s'agit de fournir des produits de première nécessité comme des masques, se retrouve empêtrée dans la situation, alors que par ailleurs, elle nous propose, cette société, la 5G, des technologies hyper sophistiquées de contrôle, mais des choses fondamentales comme le maintien de l'hôpital public, la valorisation des métiers vitaux comme ceux des infirmières, des livreurs, de toute une partie de la société qui est d'ordinaire invisible, négligés et mal rémunérés, bah, tout ça est en train de ressortir aujourd'hui dans cette situation où on voit que finalement l'essentiel n'est pas, encore une fois, dans une course à la complexité d'une start-up nation
fondée sur des technologies plus ou moins inutiles, mais sur des services publics vitaux, sur l'entraide, sur la solidarité, et le tout dans une société qui quand même se révèle coupée du vivant, hein, vivant déjà beaucoup dans des techno-cocons, hein, déjà beaucoup connectés, donc là encore aujourd'hui plus connectés que jamais, nous sommes tous. Justement, cette hyper-connectivité m'interroge aussi sur notre coupure vis-à-vis du vivant et aussi notre rapport à la mort. Donc voilà, à travers ce confinement, il y a beaucoup de questions existentielles et politiques qui ressortent, mmh. avec un certain nombre de leçons à tirer certainement. Alors, effectivement, sur les leçons à tirer, est-ce que tu en tires un certain nombre? Est-ce que tu peux nous en parler? Quelles sont, selon toi, les grandes leçons de cette crise dont on n'est pas totalement sorti encore, mais peut-être qu'on peut déjà tirer quelques conclusions? Déjà, sur le plan de la solidarité, je crois que la première leçon à tirer, c'est qu'est-ce qui maintient une société ensemble, qu'est-ce qui la maintient dans sa cohésion? C'est la solidarité, c'est les services publics, c'est l'accès gratuit aux soins pour tous. Donc, la première leçon à tirer, c'est qu'il faut apporter plus de moyens et soutenir vent debout tous ces services publics et aussi ces secteurs de la société qui ne sont pas assez reconnus et qui pourtant sont des maillons vitaux de la résilience sociale en cas de crise et qui doivent être donc maintenus au-delà de la crise et soutenus. Et la deuxième leçon, c'est la soudaineté de cette crise. On n'a pas vu venir, l'Organisation mondiale de la santé n'a pas lancé des signaux clairs, donc on a perdu au moins un mois, sinon deux, par rapport à cette crise qui a été soudaine, qui n'a pas été prévisible. Donc la leçon à tirer de cela, c'est qu'un effondrement peut arriver de manière brutale. On n'est pas dans une situation d'effondrement, en tout cas pas en France, parce qu'on bénéficie justement de l'héritage de l'État-providence et d'un certain nombre de services publics et la possibilité du chômage partiel pour un certain nombre de la population, des habitants, etc. On a encore les moyens de faire face, mais on a été pris de court. Et le troisième constat et leçon qu'on peut tirer de cette situation, c'est la plasticité quand même de notre adaptation à cette situation, une réaction rapide d'acquiescement de la population au confinement. Bon, on accepte d'être confiné, on s'adapte assez vite, donc c'est assez remarquable. Bon, jusqu'à quel point cette acceptation est positive, est-ce qu'il n'y a pas là aussi une forme de consentement à un contrôle de l'État? Et donc ça aussi, ça sera à mon avis un élément important, cette société de contrôle qui s'installe de manière un peu pernicieuse à travers les applications Stop Covid et autres drones qui survolent les plages pour surveiller les promeneurs actuellement. Voilà, on se retrouve aussi dans une situation d'un État biopolitique, hein, comme disait Michel Foucault, une société de contrôle des corps et de la mort, hein, les modalités du deuil, etc. Tout ça est allé assez loin pendant la crise. Je pense qu'il y aura aussi un débat à en tirer quant à la vitalité de notre démocratie. Une question par rapport aux solutions et aux comment, tu évoquais tout à l'heure, finalement moins de production, de la décroissance, moins de technologie, mais en même temps plus de moyens pour les services publics, pour la santé, pour la solidarité. Comment est-ce qu'on résout cette équation? Par des priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui? Est-ce que c'est de développer des technologies de surveillance à base de 5G, par exemple? Ou est-ce que c'est de renforcer la performance du système médical qui est déjà très élevé, donc qui n'a pas tellement besoin, à mon avis, de technologies supplémentaires, mais plutôt de personnel, de présence humaine? Donc je crois que ce sur quoi il faut miser pour accroître la résilience de nos sociétés, ce n'est pas sur des technologies
et des algorithmes à n'en plus finir, mais c'est sur la force du lien et c'est sur l'aspect filet de sécurité sociale, hein, y compris le système d'ailleurs de protection sociale qui est précieux dans notre pays et qui ne doit pas être sacrifié sur l'autel de la compétitivité mondiale orchestrée par les institutions de la mondialisation. Alors, on commence à avoir beaucoup de réactions, tant dans le groupe, dans la salle, ainsi que sur Facebook. Je sais que Guy Philippe a une question. Est-ce que tu veux poser ta question, Guy Philippe? Oui, merci pour votre intervention. Moi, la question que j'aurais, c'est, je vais revenir sur ce que vous venez de dire sur les questions des technologies. Parce que quand on voit les pays qui ont réussi à supprimer, en tout cas à contenir l'épidémie, je parle de Taïwan, je parle de la Corée, qui sont deux démocraties, la Corée qui vient d'avoir des élections législatives avec une très forte participation, on voit que là, au contraire, les technologies ont été vitales pour comprendre ce qui se passait et pour faire ce qu'on appelle test, trace, isolate. Et même dans l'échange aujourd'hui au niveau des systèmes médicaux, on a une explosion d'informations, une explosion d'échanges entre les équipes médicales sur les techniques qui marchent bien, sur l'analyse big data, comment on va aider les patients, etc. Et il semblerait qu'au contraire, ça s'est aidé terriblement à nouveau à aider même les soins, donc, tant dans l'épidémie que dans les soins. Donc la question que j'aurais, c'est pourquoi vous opposez tellement les technologies à la capacité de nos sociétés à réagir face à un problème qui est nouveau? Je n'oppose pas les technologies, c'est plutôt cette fuite en avant technologique qui m'interroge par rapport à des priorités de financement qui me semblent encore une fois devoir être dédiées au maintien d'un service public. Quant à la Corée du Sud, je retiens surtout l'aspect test et l'aspect réaction précoce à la crise, étant donné que l'Asie est un bastion habitué aux épidémies et c'est une vigie mondiale par rapport aux épidémies. Donc la Corée du Sud est certainement mieux préparée que nous à un SRAS puisqu'elle a déjà eu droit à des alertes. Donc je pense qu'il y a un ensemble de facteurs qui fait qu'une société est résiliente et que ces facteurs doivent être équilibrés. Je ne dis pas qu'il faut supprimer la technologie, je dis qu'il ne faut pas supprimer le lien social au profit d'une société de surveillance technologique et d'accumulation de data qui ne remplace pas, encore une fois, l'intervention humaine au chevet des malades, même si elle peut aider effectivement au traçage des personnes malades, mais à quel prix? C'est un des débats qu'on aura certainement après la crise. Agnès, on parle de plus en plus avec cette crise du Covid et du confinement, finalement, de la relocalisation, de souveraineté, des dangers de la mondialisation. Et on retrouve dans les discours de certains écologistes à gauche des discours qui ont plutôt des valeurs historiques proches de la droite nationaliste. Autrement dit, encore une fois, cette idée de repli sur soi, cette idée d'autonomisation, voire d'autarcie, est-ce que tu crains une dérive du discours écologiste et l'émergence peut-être à un moment donné d'un nouveau clivage politique après cette crise? Je crains surtout l'émergence d'un État encore plus policier et d'une société de surveillance. Pour répondre à ta question, je pense que l'écologie est incontournable. Hein. Cette crise est ancrée dans une crise du vivant. Cette crise provient d'un système productiviste lié à la mondialisation des flux financiers, lié à l'injonction au profit, lié au fait d'avoir déforesté des surfaces massives de la planète au motif de la prospérité économique dans le cadre de la mondialisation, et donc d'avoir propagé sur l'ensemble de la planète un modèle dit de mondialisation qui en fait n'est qu'un modèle d'uniformisation d'un système économique dominant orchestré par les institutions mondiales, bancaires, les banques de développement et la finance internationale, dont le résultat est sous nos yeux, c'est-à-dire déforestation galopante,
expansion d'un modèle agricole productiviste destructeur, exploitation minière partout, donc artificialisation massive et finalement mépris du vivant, donc un aspect un peu mortifère me semble-t-il de ce modèle économique qui est complètement indifférent à la nature et qui pratique son saccage. Et d'ailleurs on constate que l'émergence de ce qu'on appelle l'anthropocène, qui est une époque donc qui voit les sociétés industrielles devenir aussi puissantes que des forces géologiques, hein, cette époque de l'anthropocène sous sa forme dite de la grande accélération, elle date de l'après-deuxième guerre mondiale où l'on voit émerger un système de globalisation économique orchestré par des institutions issues de la deuxième guerre mondiale et de la puissance américaine et d'une espèce de normalisation comme ça, certes à la fois des échanges, mais aussi de la planète elle-même, hein, ou des systèmes, par exemple, de biens communs locaux, de pêcherie locale, de gestion de proximité des bassins versants, ou de migration interrégionale de bergers dans le sud du Niger. Tous ces systèmes très anciens de maintien des ressources à travers des communaux, que ce soit en France, en Europe ou en Afrique, partout dans le monde, hein, ou la gestion de l'eau donc par les riverains concernés. Bref, tous ces systèmes qui sont hérités de siècles de pratiques à travers des petites communautés sociales qui savaient gérer l'eau et les ressources halieutiques, par exemple, ont été balayés par les vents rugissants de cette globalisation qui fait qu'il y a une véritable tragédie à la fois des communaux, hein, qui maintenaient ces ressources naturelles et de la croissance aujourd'hui qui nous mène à un désastre écologique qui est en cours. Et cette histoire de Covid-19 est un symptôme de ce désastre puisque la frontière entre nous et le monde sauvage a été transgressée par le trafic d'espèces menacées, en l'occurrence le pangolin, qu'on retrouve dans des cages sur les marchés de Wuhan. Et ce pangolin est emblématique donc de cette indifférence totale de nos sociétés productivistes globalisées à la nature et au vivant. Donc évidemment que l'écologie est au cœur du problème, évidemment que les écologistes aujourd'hui ont raison de dire que ce système est insoutenable, et qu'il ne s'agit pas d'introduire un protectionnisme réactionnaire sur les ressources naturelles, mais il s'agit de restaurer leur entretien par les communautés riveraines qui vivent proches de ces ressources et qui en vivent, et c'est valable aussi bien ici qu'en Afrique, puisqu'aujourd'hui, d'immenses surfaces des pays africains sont vouées à l'exportation de bois, de cacao, de café, au détriment de leur surface forestière et de leur maintien écosystémique, et que ce modèle ne peut plus durer. Donc, l'écologie répète cela depuis plus de 50 ans. Hein. Donc, rien de nouveau, dirais-je, dans le message écologique actuel, sinon que la catastrophe patente qui se déroule sous nos yeux ne fait que confirmer la logique du discours écologiste. Alors on a plusieurs caricaturer à travers quelle dérive localiste, on pourra en parler après si tu veux, mais je voulais d'abord reposer le paysage général. Mais on a beaucoup de questions qui s'accumulent et je voudrais quand même que tu parviennes à y répondre. Est-ce que sur Facebook, Lorraine, plusieurs questions ont été posées par la communauté du Huffington Post? Est-ce que tu en as choisi une? J'ai choisi une question pour Agnès qui nous vient de Samuel Cardon sur la page du HuffPost. Il demande comment, selon vous, Agnès, les collapsologues voient l'avenir proche et comment, d'après eux et d'après vous, la jeunesse engagée pour l'environnement, par exemple Youth for Climate, peut orienter ses mobilisations et de quelle manière pour aller vers l'après.
Ce qui est intéressant dans la collapsologie, c'est qu'elle a mis à jour justement cette logique d'engrenage qui est celle du système actuel de croissance et de croissance globalisée, cet engrenage, ce verrouillage même que nos systèmes imposent à nos vies. Et donc aujourd'hui, la question posée par la collapsologie, c'est celle de est-ce que c'est possible de déverrouiller des systèmes complexes, des systèmes accélératifs qui sont les nôtres, et qu'il s'agit aujourd'hui de faire ralentir, hein, et de redimensionner à des échelles de vie soutenables. Donc ça, c'est pour la réponse de fond à la question. Alors, que faire ? Continuer à adopter une autre grille de lecture, je dirais, de ce qui nous arrive à la faveur de cet arrêt du temps qui est aujourd'hui cette période de confinement, en profiter peut-être pour faire un bilan du modèle dans lequel nous sommes et de constater que toutes les crises sont liées, hein, d'avoir une vision systémique de ces crises, que les inégalités également sont liées à ce système. Et que finalement, nous nous retrouvons tous dans une communauté de destin, puisqu'à travers l'épidémie, c'est l'espèce humaine qui est en question. Alors, que faire ? Continuer les mobilisations de la jeunesse, les mouvements, à mon avis, activistes, tels que Extinction Rébellion, sont des mouvements assez justes, parce qu'ils mettent en scène, de manière assez imagée, la démesure actuelle, aussi bien des surfaces commerciales que des politiques de déforestation, et mettre le doigt à travers des scènes un petit peu emblématiques de manifestations sur site sur ce système où finalement la marchandise nous est proposée comme le seul avenir et le seul horizon, alors que la jeunesse aujourd'hui a besoin de se projeter, à mon avis, dans des horizons nourris par une autre culture que celle du productivisme et nourrie par, à mon avis, une certaine reconnexion à la mesure, une reconnexion au monde vivant, peut-être à des nouvelles pratiques, à des nouveaux métiers liés à la réparation de la terre, à des mobilisations concrètes. Je crois que les jeunes n'ont plus tellement envie d'entendre parler de grandes théories. Ils demandent beaucoup, on l'entend beaucoup dans les cours à Sciences Po que nous donnons, certains d'entre nous, dont moi, hein, les jeunes sont très intéressés par la décroissance dès lors qu'ils comprennent que la décroissance, c'est une question de cohérence, en fait. Et je crois qu'il y a une grande demande de cohérence aujourd'hui et que la politique est décrédibilisée par son incohérence crasse. Je t'interromps parce que je voudrais qu'on continue sur une dernière question avant de passer à Nicolas Bouzou. Je sais qu'elles se sont accumulées. Sébastien, une question très courte et une réponse très courte, s'il vous plaît. Oui, c'était par rapport au rapport à l'écologie. En fait, je suis un peu gêné par ce que vous dites le fait que vous insistiez sur l'écologie, en sachant que c'est un sujet fondamental, évidemment. Mais je ne suis pas totalement persuadé que ça soit… Maintenant, qu'il faut le dire, parce que c'est pas en lien direct avec le Covid. Le Covid, bon, peu importe les raisons, mais si c'est effectivement via les animaux, c'est des marchés qui sont ancestraux. Hein, donc, d'une certaine façon, la mondialisation n'est pas allée assez vite, parce que si elle était allée à son terme, même à Wuhan, ils feraient leur shopping. Quelle est ta question, Sébastien, s'il te plaît ? Je trouve que par rapport aux moyens, la réalité, c'est que la France est le pays du monde qui a un rapport au service public qui est le plus élevé, qui a les dépenses publiques, notamment pour l'hôpital, qui est le plus élevé. Donc, ce n'est pas uniquement une question de moyens. Donc, votre façon d'écrire les choses est assez classique, mais assez fausse. Ce n'est pas rajouter de l'argent systématiquement qui résout le problème. Et moi, je trouve que votre discours affaiblit extraordinairement l'écologie. Parce que vous en parlez aujourd'hui, alors que le sujet du Covid n'est pas un sujet d'écologie. Donc, il y a plein de gens qui, aujourd'hui, vont ramener le Covid à leur théorie à eux en disant qu'ils l'avaient toujours dit. Donc, pour synthétiser, Sébastien, pardon, je t'interromps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, est-ce que, Agnès, le sujet du Covid est un sujet écologique ou pas ? Mais totalement, je le redis et je le maintiens. Et du reste…
ce que je dis est corroboré par, par exemple, un organisme tel que le GIEC de la biodiversité. Je ne sais pas si Monsieur Sébastien a entendu parler du GIEC. Eh bien, l'équivalent du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat qui s'appelle donc l'IPBES, hein, qui traite de biodiversité, qui est un panel international sur les questions de biodiversité, vient d'émettre une analyse de la situation du Covid et établit le lien formel entre, encore une fois, la destruction des forêts, l'emprise des élevages agricoles intensifs avec l'accélération de la propagation de ce type de virus qui franchit la barrière d'espèce parce que la promiscuité entre les activités humaines et le monde sauvage est telle qu'aujourd'hui, les risques de transmission de virus portés par des animaux comme le pangolin, les chauves-souris, est croissant du fait, encore une fois, de l'emprise humaine sur le vivant et sur la planète. Donc, certes, c'est peut-être une pratique coutumière que de consommer des pangolins, mais ce qui n'est pas ordinaire, c'est la rapidité de la propagation de ce virus, son échelle mondiale. Donc, il ne s'agit pas d'une petite épidémie cantonnée à la ville de Wuhan et son environnement. C'est d'autres choses qu'il est question. Il y a vraiment une question d'échelle et d'emprise des activités humaines sur la planète, en particulier à travers l'expansion d'un modèle agricole intensif, parce que la peste porcine, c'est le même problème. Hein. Alors, d'autres épidémies qui sont liées, encore une fois, à ce modèle-là, et donc l'écologie est au cœur des réponses. Toi, Agnès, l'écologie est au cœur de la problématique du Covid, et je voudrais qu'on passe d'ailleurs... Absolument, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Non. J'entends ce point. Je voudrais qu'on passe la parole à Nicolas Bouzou. Je suis sûr qu'il a beaucoup de choses à dire sur le sujet et qu'il continuera peut-être l'argumentation qu'a soulevée Sébastien. Nicolas, tu es économiste libéral, tu es l'auteur d'une douzaine d'ouvrages et tu viens de publier « Inventons la mondialisation de demain ». Donc là, on fait un pas de côté radical, hein, par rapport au discours qu'on vient d'entendre. Comment est-ce que tu vis cette crise de ton côté et quelles leçons tu en tires pour le moment ? Bon, alors, à titre personnel, je la vis mal, évidemment, comme tous les gens, je pense, normaux et relativement équilibrés. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est voyager, faire du sport dehors, aller boire de la bière aux terrasses des cafés, rencontrer des gens. Donc, je trouve que la situation actuelle est évidemment extrêmement stressante. Mais en même temps, comme je pense depuis le début que le phénomène épidémiologique est grave, je suis les consignes absolument à la lettre, voilà, quasiment à la lettre. C'est-à-dire que je ne sors pas de chez moi, je fais mes courses le moins possible. Enfin, voilà, je fais ce que tous les spécialistes et les gens qui savent me disent de faire. Mais bien évidemment, en tout cas à titre personnel, mais je pense pour beaucoup de nos concitoyens, c'est une situation qui est... qui est tout à fait désagréable. Je suis d'ailleurs toujours un peu amusé quand je lis ici ou là des gens qui nous expliquent que c'est le moment de se recentrer sur soi, de mieux se connaître. Je trouve ça assez désagréable. Alors déjà, je pense qu'il ne faut pas se recentrer sur soi. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Je pense qu'il vaut mieux s'occuper des autres plutôt que s'occuper de soi. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout porté à l'introspection. Je ne me suis jamais beaucoup intéressé. Cette idée qui consiste à dire que c'est le moment de prendre du temps, de se découvrir. Moi, je savais avant que j'aimais sortir et que j'aimais boire des bières aux terrasses des cafés. Hein. Enfin, je ne l'ai pas découvert il y a 5 semaines. Donc, voilà. Je dis ça un peu sur le ton de la plaisanterie, mais je pense que pour la plupart de nos concitoyens, c'est un moment qui est un moment d'une très grande souffrance. Alors, pas moi. Moi, je suis un privilégié. Hein. Donc là, je fais part de mes états d'âme, mais qui n'ont absolument aucun intérêt, bien évidemment. Mais j'ai la chance, je suis en famille, je suis avec ma famille, je vis dans un bel endroit, très aéré, donc je suis dans les meilleures conditions possibles, mais c'est parce que j'ai beaucoup de chance. Mais je pense que globalement, pour nos concitoyens,
c'est une grande souffrance, cette période, grande souffrance psychologique. Beaucoup de gens qui sont éloignés de leur famille, des gens qui sont seuls, des gens qui sont malades. Et puis, une très grande anxiété sociale qui commence à monter, qui d'ailleurs, malheureusement, de mon point de vue, alors là, je suis au cœur de mon métier, est une inquiétude qui est quand même en grande partie justifiée, même si, bien évidemment, on va essayer de mettre en place des politiques publiques pour essayer de limiter au maximum les problèmes. Mais enfin, on va au-devant de problèmes économiques. Voilà, donc c'est une catastrophe qui nous tombe dessus. Alors, comme ça a été dit, hein, l'humain a une très grande capacité de résilience et d'adaptation. C'est aussi quelque chose que l'on découvre. Mais voilà, je pense qu'il faut l'interpréter pour ce que c'est-à-dire une catastrophe. Alors, tu me poses, Michel, la question de… Oui, quelle leçon tu en tires ? Oui, quelle leçon, voilà. Alors ça, c'est pour le coup, j'ai essayé de beaucoup réfléchir là-dessus. Parce que, évidemment, on nous parle beaucoup des leçons et je vois bien que chacun, en fait, explique qu'il faut penser le monde d'après avec des idées différentes. Mais alors, ce qui m'a beaucoup amusé dans le débat public, que je pratique quand même de façon relativement assidue, peut-être trop assidue d'ailleurs, parce qu'on me le reproche souvent, mais enfin bon, ce que je remarque, c'est que tous ceux qui nous incitent à changer d'idée, eux-mêmes ont plutôt tendance à dire qu'eux ne doivent pas en changer. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé de façon quasi systématique. Alors je me suis dit, moi je dois être comme ça aussi. Ben, je pense que si tout le monde est comme ça, je me suis dit, le risque, c'est que moi aussi je dise, je vous l'avais bien dit, j'avais raison. Alors en plus c'est très grave parce que je pense que sur beaucoup de sujets, je l'avais bien dit et j'avais raison. C'est vrai. Alors, mais je me suis dit, je vais essayer de faire autrement. Alors sur quoi j'ai eu tort? Sur quoi je me suis trompé? Alors je vais vous donner deux exemples sur lesquels vraiment je me suis trompé. Le premier exemple, c'est que je pensais que nous n'étions, du point de vue sanitaire, plus dans un âge des épidémies. Je pensais, comme le prix Nobel Angus Deaton, vous voyez, je me couvre, mais je pensais, comme Angus Deaton, que nous étions passés, alors très schématiquement, hein, de l'âge des famines à l'âge des épidémies, et que nous étions aujourd'hui entrés dans l'âge des maladies chroniques, c'est-à-dire notamment les cancers, les diabètes, les maladies neurodégénératives. Et je pensais que notre système de soins, très, je schématise un peu, hein, mais devait s'adapter à ça. Alors, je n'ai pas été raisonnable parce que j'ai des amis très proches de moi, Eric Orsena, par exemple, qui m'avait dit « Mais non, pas du tout, tu ne comprends pas, il y a encore plein d'épidémies. Regarde, moi, j'ai écrit sur le moustique, par exemple. Tu devrais mieux me lire, etc., m'écouter davantage. » Puis, j'avais pris ça un peu à la légère. Eh bien, j'ai eu tort. J'ai eu tort de prendre ça à la légère, puisque nous voyons que nous avons une épidémie qui génère un arrêt complet de nos sociétés. Et donc là, je révise ma doctrine, bien évidemment. Donc sur ce sujet, j'ai eu tort, ou j'ai en tout cas sous-estimé un phénomène. Deuxième sujet sur lequel j'ai eu tort, je n'avais pas suffisamment perçu, je le voyais, je le savais, mais je n'avais pas suffisamment perçu à quel point les avantages comparatifs dans le domaine de la mondialisation nous avaient mis en situation de dépendance par rapport à certains de nos approvisionnements. Ce n'est pas la mondialisation d'ailleurs qui est en cause, hein, pour le coup, hein, ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas que la France produise moins de pénicilline qu'avant. Le problème, c'est que toute la pénicilline est produite en Chine. C'est ça le problème. Donc, c'est un problème de sécurisation des approvisionnements. Et d'ailleurs, sur ce sujet, notamment dans le petit essai que tu as eu la gentillesse de citer, je fais des propositions très concrètes. Parce qu'une fois qu'on a fait l'analyse théorique, c'est très bien. Mais je fais des propositions très concrètes, hein, qui pourront être portées, si la majorité le souhaite, au Parlement dès que les choses seront redevenues normales, pour qu'on essaie de mettre en place des politiques publiques qui diminuent notre dépendance sur des produits pharmaceutiques, sur des produits agroalimentaires, à des sources uniques. Donc oui, je pense que cette période, elle doit nous amener à réviser un certain nombre de choses. Honnêtement, je pense qu'on commet tous des erreurs à certains moments. Voilà, je pense qu'on a tous des analyses, forcément, surtout nous, dont le métier est d'écrire, de réfléchir et d'écrire. Mais je pense que parfois, évidemment, on va trop loin, ou il y a des choses qu'on ne voit pas. Et je pense que il y a une crise de ce type qui nous tombe dessus, elle est propice de ce point de vue-là au fait d'essayer de corriger un certain nombre d'erreurs. Mais ça doit valoir pour tout le monde, hein, sinon ce n'est pas drôle.
Alors, dans ton dernier livre, tu fais l'éloge hein, d'une ouverture des frontières, de la liberté de circulation des personnes et des biens. Tu cites même la nostalgie de Stefan Zweig de l'époque où on pouvait voyager sans passeport. Est-ce qu'un monde sans limites aujourd'hui est souhaitable? Alors, déjà, je suis désolé, je n'y peux rien. Je déteste le nationalisme. Mais il ne faut pas ni m'aimer ni me détester pour ça, parce que je n'y suis absolument pour rien. C'est comme ça, j'ai les yeux marrons et je n'ai jamais aimé les frontières. Voilà, donc, il n'y a pas de… C'est un… Mais je veux dire, comment dire… C'est ce que Raymond Aron appelait le choix fondamental, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie, surtout quand on a des carrières intellectuelles, où on doit faire des choix, et ce sont des choix qui ne sont même pas forcément des choix d'analyse, ce sont des choix qui nous ressemblent. Moi, j'ai toujours aimé, j'adore ce qui est près, j'adore ce qui est local, mais j'ai toujours adoré ce qui était loin aussi. Voilà. Et donc, j'ai toujours trouvé fascinante cette idée d'être libre, de pouvoir voyager. Et tu cites, enfin, je cite Stefan Zweig, mais il y a toute une filiation intellectuelle. Alors, Stefan Zweig est bien évidemment au XXe siècle l'un de ceux qui représente le mieux cette mouvance intellectuelle. Plus proche de nous, Mario Vargas Llosa, hein, le prix Nobel d'économie, mais le prix Nobel de littérature en l'occurrence, qui explique très bien ces choses-là. Mais dans mon livre, je cite Nietzsche aussi, Nietzsche qui est très drôle sur ces sujets, puisque Nietzsche était allemand, il détestait l'Allemagne, et donc il marche vers l'Italie. Alors, plus il marche vers l'Italie, plus il aime l'Italie, plus il dit du mal de l'Allemagne, à tel point qu'il aimait Wagner, mais il se met à détester Wagner. Enfin, tout ça est très amusant. Ça prouve que Nietzsche peut être amusant, d'ailleurs, quand on le lit dans le texte, et c'est très bien exprimé. Et d'ailleurs, il dit cette phrase que je trouve absolument extraordinaire. Il dit, au fond, notre nationalité, ça ne devrait pas être d'où on vient, mais ça devrait être où l'on va et où l'on enfante. Voilà, je trouve que cette idée est absolument grandiose. Après, alors, c'est comme, je dis ça de façon un peu introductive, mais ce que je veux dire par là, pour sortir de mon ce que je pense moi à titre personnel, c'est que la mondialisation n'est pas un phénomène économique. La mondialisation, c'est avant tout un phénomène culturel. C'est un phénomène culturel, un phénomène migratoire. Je pense que l'ouverture aux autres, c'est un signe de maturité civilisationnelle. Et dans ce grand sujet de la mondialisation, il y a en effet une mondialisation économique, des échanges de biens et services, une mondialisation des chaînes de valeur des entreprises, une mondialisation financière, mais ce sont en quelque sorte des sous-ensembles de la mondialisation. Et pour répondre à ta question, est-ce qu'une mondialisation peut être sans limites, sans règles? Non, non, non. Il faut des règles, il faut de la régulation. Mais il faut une régulation qui soit adaptée géographiquement aux phénomènes auxquels l'on doit faire face. C'est la raison pour laquelle, dans mes combats, il y a notamment le réveil du multilatéralisme. Je pense que nous avons plus que jamais besoin de règles, et je pense que du coup, nous avons besoin plus que jamais de multilatéralisme. Et c'est la raison pour laquelle je regarde avec une très grande sévérité la politique qui a été suivie notamment par les États-Unis ces 4 dernières années, qui consiste systématiquement à critiquer les institutions multilatérales et à s'en retirer. Prenons un exemple concret en ce moment, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce qu'elle a parfaitement fait son job? Ah non, sinon on n'en serait pas là. Est-ce que la conclusion que l'on doit en tirer, c'est qu'il faut moins d'OMS ou plus d'OMS? Ah non, je considère l'inverse. Je considère que nous avons besoin de plus d'OMS, d'une OMS avec plus de gens, des gens plus compétents, plus de démocratie. Et vous voyez, ce qui est drôle, c'est que c'est moi, le libéral, qui croit à la régulation. Moi, je crois à la régulation. J'y crois vraiment. Je crois qu'on peut réguler les comportements. C'est la raison pour laquelle je crois au multilatéralisme. C'est la raison pour laquelle je crois à l'Union européenne. Cette idée qu'ont eue nos amis britanniques de dire l'Union européenne, ça ne marche pas bien, donc on en part. Ben non, quand quelque chose ne marche pas bien, l'Union européenne, c'est la construction politique la plus ambitieuse du 20e et du 21e siècle. Et c'est l'une des constructions politiques les plus ambitieuses de l'histoire de l'humanité. Ben, c'est sûr que ça ne peut pas bien marcher. Hein. Ça, c'est compliqué. Hein. Quand on essaie de faire cohabiter ensemble des pays, ça ne peut pas bien fonctionner. Et donc, notre enjeu, notre but, ça doit être
de mieux faire fonctionner tout ça. Donc, il faut des changements, il faut des régulations, il faut, comme je l'ai dit, une amélioration de la mondialisation. La fin de la mondialisation, c'est un slogan. Ça fait plaisir aux uns aux autres, mais ça n'arrangera jamais personne. Parce que la fin, c'est facile de parler de la fin de la mondialisation. Ce qui est difficile, c'est de proposer des pistes concrètes d'amélioration de la mondialisation. Ça, c'est difficile. Et la question du climat, la question écologique à laquelle je suis très attaché depuis très longtemps, c'est une question de régulation européenne, multilatérale. Mais ça ne demande pas seulement de la morale, ça demande de l'intelligence, et beaucoup d'intelligence. Alors, une question de Guy Philippe. Oui, alors d'abord, Nicolas, merci juste pour ta prise de parole et cette honnêteté intellectuelle de d'abord commencer par tes erreurs. Et ce que tu as dit, je me permets de le dire, est très important parce que souvent, en fait, on projette sur le monde de futur ce qu'on a déjà pensé avant et c'est très dangereux. Donc, merci beaucoup et merci pour cette honnêteté intellectuelle. La question, effectivement, on parle beaucoup aujourd'hui de déglobalisation, à la fois pour les questions de souveraineté que tu as un peu évoquées, peut-être aussi pour des questions d'efficacité économique, de redondance, de capacité pour avoir une forme de résilience en cas de crise, et on le voit encore aujourd'hui. Et d'un autre côté, on sait bien que si on va jusqu'au bout de ça, les marchés émergents qui ont besoin des clients dans les marchés émergés vont s'effondrer et qu'on aura plein d'effets de retour qui seront très négatifs et qui seront aussi d'une certaine manière immorales puisqu'on aura des pays qui sont en train d'émerger qui tout d'un coup ne vont plus émerger, etc. Donc, la question, c'est où se trouve, et pour aller jusqu'au fond de ce que tu disais, quel est le bon principe, le juste milieu aujourd'hui pour justement refaire de la souveraineté et de la résilience, mais en même temps poursuivre ce que tu as dit sur ce mouvement nécessaire d'efficacité et d'aide aux pays émergents. Ouais, c'est une question aussi sur laquelle je m'interroge beaucoup ces dernières semaines. En fait, quand j'étais petit, quand j'étais étudiant, moi je suis plus vieux que toi, dans les années 90, c'était la grande période de l'altermondialisme. Et l'idée de l'altermondialisme, qui était une idée qui était d'ailleurs tout à fait intéressante, qui venait de Rosa Luxembourg et un petit peu de Marx, mais en fait plutôt de Rosa Luxembourg et de Lénine, c'était de dire que la mondialisation, c'était l'oppression des riches par les pauvres. Et donc la mondialisation allait enrichir les pays riches et appauvrir les pays pauvres. Bingo, il s'est passé pile l'inverse. C'est-à-dire que la mondialisation a enrichi les pays pauvres et en revanche, c'est ce que Brankovic appelle la courbe en éléphant. Vous avez tous vu cette courbe. La mondialisation, elle a appauvri les classes moyennes des pays riches. Voilà. C'est la raison pour laquelle elle fait beaucoup plus débat dans un pays comme la France ou aux États-Unis, où les inégalités en plus sont beaucoup plus explosées qu'en France et où, comme le système social, comme il y a beaucoup moins d'État-providence et que le système fiscal et social est beaucoup moins redistributif, les inégalités sont beaucoup plus importantes qu'en Europe et a fortiori qu'en France, alors que cette question de la globalisation, évidemment, elle fait beaucoup moins débat au Rwanda ou en Éthiopie, pour prendre des exemples de pays très pauvres qui sont des pays qui se sont insérés, qui s'enrichissent dans la mondialisation. Je pense qu'au fond, il est clair qu'on va devoir relocaliser un certain nombre de chaînes de valeur, et je prenais notamment l'exemple de l'agroalimentaire. Mais on ne va pas tout faire dans l'agroalimentaire. On ne va pas produire de cacao, par exemple. Donc, ce cacao, je prends, pardonnez-moi, un exemple qui est vraiment caricatural, mais donc, ce cacao, on va continuer de l'importer. Et puis, je crois qu'avec les pays émergents ou même des pays qui sont encore pauvres, il faut qu'on travaille ensemble à des partenariats économiques sur des secteurs qui sont des secteurs qui sont ceux du numérique, de la robotique, de l'intelligence artificielle. Je prenais par exemple le cas du Rwanda, je pourrais prendre le cas du Nigeria aussi. Ce sont des pays dans lesquels on commence à avoir des environnements, des écosystèmes du numérique notamment, qui sont très intéressants et qui peuvent être très complémentaires des nôtres. Donc je crois qu'il y a des choses mais tout à fait passionnantes à faire. Un exemple très concret, celui des smart cities. Vous avez des mégalopoles, Lagos par exemple, c'est une mégalopole qui grandit énormément avec des problèmes environnementaux, des problèmes écologiques, mais absolument déments. On ne va pas proposer la décroissance à Lagos. Ce sont des gens qui sortent de l'extrême pauvreté, de la malnutrition. On ne va évidemment pas leur proposer ça. En revanche, et évidemment, eux voient ces problèmes d'environnement et sont très inquiets de ce genre de choses, il faut qu'on trouve
avec eux des partenariats pour les aider à faire de la croissance qui leur permette de lutter contre les dérèglements climatiques et plus largement les dommages environnementaux. Donc, je pense qu'il y a plein de choses absolument passionnantes à faire, avec un intérêt mutuel, bien évidemment. Une dernière question, Nicolas. Dans ton livre, dans ton dernier livre, tu parles d'une mondialisation heureuse et tu parles d'une régulation de cette mondialisation au service de l'intérêt général. Est-ce que tu peux nous expliquer comment concrètement on fait pour réguler la mondialisation au service du bien commun? Oui, c'est vraiment l'idée du multilatéralisme dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au fond, le drame politique contemporain, en tout cas, la façon dont je l'interprète, hein, je ne prétends pas avoir raison, bien évidemment, mais je vous donne mon interprétation, c'est que nous avons besoin de davantage de multilatéralisme parce que nous avons des problèmes globaux, donc nous avons besoin de davantage de multilatéralisme et la crise, peut-être, pousse les opinions publiques vers davantage de nationalisme. D'accord ? Et là, je pense que nous avons vraiment quelque chose, alors qui transcende d'ailleurs très largement, bien évidemment, hein, les clivages politiques, c'est-à-dire que ce que je dis peut être partagé par des gens qui ont une sensibilité plutôt de droite ou plutôt de gauche, à partir du moment où ce sont des gens relativement modérés, hein, bien évidemment. Mais je pense que ça transcende complètement les clivages politiques. Mais je pense que nous devons vraiment travailler sur cette question de ces grandes organisations, donc dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'alimentation, bon, dans le domaine de l'environnement, bien évidemment, mais on peut commencer au niveau européen. Dans le domaine de l'environnement, moi, je pousse très fort en ce moment une position qui commence à être mûre, qui est celle de la taxe carbone aux frontières de l'Europe. Je ne sais pas ce qu'en pense François, mais je trouve que là, on a une fenêtre de tir intéressante qui commence à s'ouvrir, parce que la taxe carbone aux frontières de l'Europe, il commence à y avoir un consensus. La présidente de la Commission, enfin, la Commission commence à être favorable à ça, ce qui n'était pas vrai il y a 5 ans ou 10 ans. Et en plus, c'est intéressant pour nous du point de vue industriel, si on réfléchit à la façon dont on peut redévelopper notre industrie. Donc, oui, je crois qu'il y a des fenêtres de tir qui sont en train de s'ouvrir, mais il faut les faire à plusieurs, quoi. La taxe carbone, on peut faire une taxe carbone en France, hein, bien évidemment, mais c'est juste beaucoup plus efficace si on arrive à faire ça au niveau européen. Et puis après, sur une base encore plus large. Alors, on a vu deux visions exposées, hein, deux visions de l'après qui sont très différentes. Je voudrais qu'on laisse la parole à François Gémen. François, tu es spécialiste de la géopolitique de l'environnement, par exemple des questions de gouvernance internationale et de migration face au dérèglement climatique. Tu es l'auteur notamment d'un atlas de l'Anthropocène. On a vu ces deux visions sans forcément vous avoir vu débattre d'ailleurs tous les deux, mais on a vu quand même ces deux visions exposées extrêmement différentes. À ton avis, dans quel monde, François, nous nous apprêtons à rentrer? J'avoue que je suis très inquiet pour le monde dans lequel nous sortirons après le confinement. Je suis d'abord inquiet pour les jeunes qui entreront dans un monde soumis à une récession économique sans précédent et un chômage de masse. Nous avons créé une crise économique artificielle pour quelque part préserver des vies humaines, pour protéger les plus fragiles et les plus âgés dans nos sociétés. Et je crois que c'est absolument remarquable et je trouve qu'on ne souligne pas assez dans le discours public le sacrifice incroyable que les jeunes sont en train de faire aujourd'hui en sacrifiant une partie de leur avenir économique pour protéger les plus âgés et les plus vulnérables dans nos sociétés. Donc, une des premières leçons que je tirerai de cette crise, c'est la très grande solidarité qu'on a vue à l'œuvre dans nos sociétés, qui ne me paraît pas suffisamment soulignée à l'heure actuelle et qui me paraît pourtant absolument riche de leçons, mais également malheureusement porteuse d'inquiétudes pour l'avenir. Mon inquiétude, elle est évidemment par rapport aux droits et aux libertés publiques. On en a déjà discuté, notamment par rapport à la surveillance dont nous pourrions faire l'objet. Et puis, c'est une inquiétude par rapport à l'avenir de la lutte contre le changement climatique et une inquiétude aussi par rapport à la montée des nationalismes. On le voit aujourd'hui parmi les mesures sanitaires qui sont plébiscitées par les Français. La mesure qui est la plus plébiscitée est celle qui est la plus discutée et la plus contestée en matière de santé publique, c'est-à-dire la fermeture des frontières. Et donc, à cet égard, moi, je crains beaucoup comme Nicolas Bouzou, je dois le dire, que finalement les collapsologues ne se retrouvent
à être un peu les idiots utiles de la montée du nationalisme. Et je pense qu'un grand danger politique dans cette crise, c'est une sorte de jointure des agendas politiques, des nationalistes et des survivalistes, et qu'au fond, les mesures sanitaires qui sont aujourd'hui nécessaires pour éviter la propagation du virus, c'est-à-dire de rester claquemuré chez soi, d'arrêter les échanges internationaux, et finalement cette politique d'isolement, je crains fort qu'à terme, ça ne devienne un projet politique, et là je vois un réel danger politique. D'où les motifs de mon inquiétude actuelle. D'où les motifs de ton inquiétude actuelle. Est-ce que tu peux développer un peu cette vision d'un nouveau clivage politique qui pourrait advenir à l'issue de la crise? Je dirais, on entend beaucoup aujourd'hui ce discours qui voudrait nous faire croire que la crise actuelle serait un avertissement par rapport au changement climatique ou une sorte de répétition générale ou de préfiguration du changement climatique. Je crois que ce type de discours, d'abord, est profondément erroné. D'un point de vue scientifique, le coronavirus est très, très différent du changement climatique. Et à mon avis, une différence essentielle, c'est que l'épidémie est une crise passagère qui annonce un retour à la normale, tandis que le changement climatique n'est pas une crise, mais une transformation durable de l'atmosphère et des conditions de vie sur Terre. Il n'y aura pas de déconfinement climatique, il n'y aura pas d'après-changement climatique. Et puis surtout, ce discours qui voudrait voir dans le coronavirus un avertissement par rapport au changement climatique me paraît très profondément égoïste. Parce qu'en fait, ça veut dire que nous nous tracassons du changement climatique uniquement lorsque les morts sont à nos portes. Alors qu'en réalité, le changement climatique, il produit ses effets depuis des années et des années déjà. Il y a déjà des milliers de gens qui sont morts du changement climatique, des millions qui sont déplacés par ces effets. Sauf que ces effets, ils ont lieu essentiellement en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Et pour dire les choses un peu crûment, quand on dit le coronavirus, c'est un avertissement par rapport au changement climatique, ça veut dire quelque part qu'on se fiche éperdument des gens qui souffrent du changement climatique en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient. Et donc, je suis très dérangé par ce discours qui voudrait au fond qu'on ne doive se tracasser du changement climatique que dès l'instant où les morts seraient à nos portes. Ça me paraît extraordinairement dangereux. Et donc, la logique par rapport à cela que je sens s'installer, c'est une logique de plus en plus de repli sur soi. On voit très bien qu'on est face à une crise mondiale, mais qu'il y a eu une multitude de gestions nationales de cette crise, au point que plusieurs États ont fermé les frontières entre eux, au point qu'il y a eu des disputes sordides pour des stocks de masques sur des tarmacs d'aéroports. Et je crains fort que la coopération internationale ne sorte en lambeaux de cette crise avec des institutions internationales, l'OMS notamment, mais aussi les négociations sur le climat, considérablement affaiblies par cette crise. Et donc, on voit très bien qu'on a le grand retour, pour le moment, me semble-t-il, de la frontière, comme je dirais, d'un élément protecteur. On a aujourd'hui plein de gens qui appellent à la fin de la mondialisation ou qui appellent à laisser les avions cloués au sol. Je pense qu'on a besoin exactement du contraire. Pour lutter contre le changement climatique, nous aurons besoin de davantage de coopération internationale, nous aurons besoin de davantage d'échanges internationaux. Bien sûr, le secteur de l'aviation doit être davantage régulé. Bien sûr, la croissance qu'il avait jusqu'ici n'était pas soutenable d'un point de vue écologique. Mais l'idée que quelque part, qu'on doive rester claquemuré chez soi et arrêter les échanges internationaux comme réponse à la crise me paraît extraordinairement dangereuse d'un point de vue politique, parce que précisément, ça scelle en quelque sorte l'alliance des nationalistes et des survivalistes. Et quelque part, ce qui m'inquiète aujourd'hui très fort, c'est la montée d'une certaine forme d'écologie que j'appelle l'écologie de l'avocat, c'est-à-dire verte à l'extérieur, mais avec un noyau brun. Je suis sûr qu'il y a des réactions ou des questions dans la salle, peut-être des membres du club ou bien Agnès ou Nicolas, n'hésitez pas, levez la main. Alors, oui, Agnès veut réagir. On t'écoute, Agnès. Non, juste pour dire que ce ne sont pas les collapsologues qui ont inventé le collapse, malheureusement. Si c'était le cas, on n'aurait pas à s'inquiéter. Les collapsologues ne sont pas un mouvement politique, c'est une vision du monde. Et tous les propos d'ailleurs tenus que tu viens de tenir, François, confirment bien que ce collapse est en cours, ne serait-ce que sous sa forme la plus connue, la plus évidente, qui est celle du changement climatique. Donc,
je suis frappée par le fait de cet amalgame entre collapsologie et survivalisme aussi, tu vois. La collapsologie, c'est une grille de lecture de ce qui nous arrive. Et ce qui nous arrive confirme que le collapse est en cours. Donc, je pense que c'est se tromper de cible que d'amalgamer les collapsologues aux survivalistes, d'une part, et d'autre part, d'attribuer aux collapsologues la responsabilité du collapse en cours. Ce n'est pas les collapsologues qui ont inventé le collapse, c'est un système qui nous a menés à cette situation. François, donc, ta réaction. Encore, on ne peut pas soigner par ailleurs le mal par le mal. On ne peut pas à la fois constater que depuis l'explosion de la globalisation, donc depuis une cinquantaine d'années, on est entré dans l'anthropocène, d'ailleurs que François a documenté dans un magnifique atlas, en effet, et sur cette question sur laquelle nous travaillons depuis une dizaine d'années, les uns et les autres, cette question de l'anthropocène, qui est une situation de déviation du système Terre vers un état inconnu, vers un état chaotique, vers des réactions imprévisibles des écosystèmes. Et donc, tout ça est à prendre au sérieux. Et tout ça, ce ne sont pas les collapsologues qui ont inventé cette situation, ce sont les collapsologues qui l'ont mis en lumière à travers cette grille de lecture qui pointe le fait que nous nous trouvons dans un système périlleux, dans une trajectoire d'instabilité et de déviation du système Terre qui est à prendre très au sérieux et qui nécessite des politiques de rupture qui n'ont rien à voir avec le survivalisme. François, ta réaction, s'il te plaît. Ta réaction, François. Deux choses. D'abord, sur la question de la collapsologie, même si je peux entendre effectivement qu'il y a une distinction à effectuer entre collapsologue et survivaliste, là, par contre, où je ne suis pas Agnès, c'est que je pense que les collapsologues ne se rendent pas compte, quelque part, de l'agenda politique de leur discours et des conséquences politiques que leur discours entraîne. Alors, je veux bien entendre qu'ils ne sont pas constitués en tant que force politique, mais dire, quelque part, qu'ils présentent une sorte de vision neutre de la science, ce n'est pas vrai non plus. C'est une vision très politique des choses qu'ils présentent, et c'est bien la raison pour laquelle les collapsologues ne sont pas le GIEC, et c'est la raison pour laquelle les points de vue collapsologues ne sont pas non plus repris dans les travaux du GIEC, et j'en fais partie. Donc, je peux en parler en confiance, d'une certaine manière. Je pense qu'il y a dans la collapsologie quelque chose de profondément égoïste qui consiste à ne se tracasser de l'effondrement qu'à partir du moment où il arrive dans les pays industrialisés, qu'à partir du moment où ce sont les sociétés thermo-industrielles qui sont en cause. Et que là-dessus, je serais d'accord avec Nicolas Bouzou, quelque part, les questions de croissance économique ou de mondialisation, ça reste une aspiration très présente dans de nombreux pays en développement. Et donc, je trouve qu'il y a, de la part des collapsologues, un point de vue très occidentalocentré qui les conduit à avoir en quelque sorte des œillères sur ce qui se passe hors des sociétés industrialisées. Et on a un peu l'impression que, quelque part, lorsqu'ils prônent des communautés autarciques dans des bioregions, on a un peu l'impression que ce qu'ils proposent, c'est au fond de prendre des nouvelles de l'Afrique par visioconférence. Je sais qu'il y avait une autre question de la part de Guy Philippe. Oui, merci François, d'abord pour cette prise de position, en particulier ce que tu viens de dire sur cet aspect très occidentaux centré versus effectivement ce que demandent les pays émergents. Ma question, c'est, donc j'ai bien compris ce que tu as dit sur ce danger politique qui est en train d'émerger, où on va se claquemurer parce qu'on a, on a cette crise Covid. La crise Covid en tant que telle, elle est intéressante parce que on ne sait pas, en fait, dans 3 ans, qu'est-ce que ça donnera tout ça. La crise de la grippe de 1918, on l'a tous oubliée alors qu'elle avait fait 50 millions de morts. C'est d'ailleurs peut-être aussi un danger par rapport à ce que tu dis. Si tout d'un coup, dans 3 ans, on a les médicaments, les vaccins, et puis bon, voilà, peut-être que tout ce qu'on avait mené, tous les arguments et les argumentations collapsologiques autour de ça, tout d'un coup vont tomber. Et donc, ma question, c'est qu'est-ce qui est le plus grave, en fait, dans cette crise du Covid? Et c'est aussi une question pour toi, peut-être aussi pour Nicolas, évidemment pour Agnès. Est-ce que c'est la crise sanitaire et le blocage, ou est-ce que ce sont les effets économiques induits qui sont très forts dans le monde occidental, mais qui vont aussi apparaître dans le monde émergent, qui sont les vrais problèmes pour la crise Covid? Je suis tout à fait d'accord quant au fait qu'il faut prendre garde à ne pas tirer de leçons définitives
d'événements qui sont en cours pour le moment. Et la seule chose que nous apprend vraiment l'histoire, au fond, c'est que nous n'apprenons jamais rien d'histoire. J'ai travaillé pendant 3 ans à Fukushima, des accidents nucléaires les plus graves de l'histoire. On aurait pu croire qu'effectivement, après Fukushima, le Japon dirait le nucléaire, plus jamais ça. Et une des premières priorités, une fois qu'on est sorti un peu de la crise de Fukushima au Japon, ça a été de remettre l'industrie nucléaire en route, précisément parce que c'était vécu comme une sorte de victoire sur la crise. Et donc, il est tout à fait vraisemblable, et je crois qu'on, même s'il y a aujourd'hui un foisonnement d'idées, d'appels, de manifestes sur le monde d'après, qui est très sympathique et rafraîchissant, il ne faut pas sous-estimer l'aspiration première de beaucoup, y compris de beaucoup de gens, à retrouver tout simplement le monde d'avant, à retrouver leurs collègues, à retrouver leur travail, et voire même tout simplement à retrouver du travail pour ceux qui ont été mis en chômage, soit en chômage partiel, soit tout simplement dont l'entreprise ou le commerce a fait faillite. Et moi, je suis effectivement très inquiet des conséquences économiques de cette crise, y compris des conséquences économiques pour la protection du climat et la protection de l'environnement. On voit aujourd'hui que la crise est l'occasion d'une offensive tous azimuts pour déconstruire les règlements et les règles de protection de l'environnement, qu'on est en train de plus en plus de mettre dans la tête des gens l'idée que les régulations environnementales sont au fond des entraves à la bonne marche de l'économie. Quand on dit qu'il faudrait maintenant mettre en place contre le changement climatique les mesures qu'on met en place contre le coronavirus, j'ai envie de dire surtout pas, c'est surtout l'erreur à ne pas faire. Ça va mettre dans l'idée des gens, dans la tête des gens, l'idée que pour lutter efficacement contre le changement climatique, il faut tout arrêter, fermer les frontières et mettre l'économie à l'arrêt, ce qui de surcroît n'a qu'un effet relativement marginal sur les émissions de gaz à effet de serre, puisque celles-ci sont en chute d'à peu près 5,5%. Donc on voit bien que le changement climatique va demander d'autres types de mesures que nous allons pouvoir tenir dans la durée, et va demander aussi davantage de coopération internationale. Moi, c'est l'autre inquiétude que j'ai en voyant de plus en plus les frontières se fermer, c'est que quelque part, chacun va être tenté de gérer les choses pour lui à l'intérieur de ses frontières et que quelque part, on va avoir besoin de davantage de coopération et de davantage d'institutions internationales et supranationales après la crise. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas tirer de leçons. Je dirais qu'une leçon, c'est sur la solidarité, j'en ai parlé. La question, ça va être de voir comment on va pouvoir déployer cette solidarité à l'échelle internationale. L'autre leçon, c'est qu'il est malgré tout possible, et quoi qu'on ait pu dire, de prendre des mesures radicales, urgentes et très coûteuses face à un danger imminent. La question, c'est de savoir comment on va pouvoir maintenant capitaliser sur ces leçons. Et je pense à cet égard que si on essaie de faire dire trop de choses au virus, de dire c'est un virus de la mondialisation, la nature reprend ses droits, c'est un message que nous envoie la Terre, si on bascule dans ce discours naturaliste, je crains au contraire qu'on ne soit pas capable de tirer ces leçons. Je crois que Nicolas voulait réagir aussi. Oui, pour répondre à Guy Philippe, je pense que ce qui est le plus grave à court terme, c'est la crise sanitaire. Moi, depuis le début, je fais partie de ceux qui considèrent que l'économie doit se mettre au service des médecins, en quelque sorte, et en tout cas de la crise sanitaire, et que si on doit prendre des mesures qui sont très mauvaises pour l'économie, il faut les prendre, parce que ce que nous montre aussi l'expérience des épidémies du XXe siècle, c'est que si on ne prend pas ces mesures, on aura un drame sanitaire et de toute façon des conséquences économiques à moyen et long terme qui seront encore pires que si on a agi dès le début avec des mesures sanitaires qui ont un coût économique très, très important. Et par rapport à ce que disait François Gémen tout à l'heure, je suis 1000 fois d'accord. Je pense que quand on regarde, dans quelques siècles, on regardera la période, l'année 2020, on se dira c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, ça n'est jamais arrivé, que nous avons décidé d'un appauvrissement collectif pour protéger les plus vulnérables de notre société. Cette modernité qui est tant critiquée, elle fait preuve, je trouve, d'une maturité éthique qui est absolument remarquable. Ça ne s'était jamais produit, et François l'a dit, mais je le répète, c'est un cadeau en réalité des actifs et des plus jeunes à ceux qui sont le plus fragiles dans notre société. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut assumer tout en ayant confiance et conscience que de ce coût économique, il est énorme et que nous mettrons des années à nous en relever parce que même si les mesures qui sont mises en place me semblent tout à fait bonnes, et notamment en France, moi je trouve que les mesures économiques qui sont mises en place pour essayer de limiter
au maximum, les dommages économiques sont parmi les meilleurs au monde. Hein. Je veux dire, l'État français, il est extrêmement protecteur. Les dispositifs d'activité partielle, de soutien à la trésorerie des entreprises sont vraiment des mesures qui sont, je pense, excellentes. Mais il ne faut pas mentir. Elles n'éviteront malheureusement pas des faillites et du chômage, qui en plus sont des phénomènes qui vont arriver avec retard. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, malheureusement, les difficultés sociales, elles sont devant nous. Et je pense que c'est très difficile à prévoir. Alors, je vais quand même me fendre d'un pronostic, mais je pense que ça va vraiment arriver à l'automne. Et dans le meilleur des cas, c'est-à-dire dans un cas, dans le meilleur des cas sanitaires, c'est-à-dire dans une situation où, en plus, l'épidémie resterait parfaitement maîtrisée. Mais en même temps, voilà, c'est notre projet commun de société. Hein. On va passer cette crise et on va reconstruire socialement pour faire en sorte que les plus vulnérables soient le mieux protégés, pour faire en sorte qu'on puisse travailler au mieux dans les meilleures conditions. Et comme le disait François, moi, je fais aussi partie de ceux qui considèrent qu'il ne faut à rien céder, à rien, sur les questions d'écologie et de transition énergétique. Parce que intellectuellement, je ne peux pas acheter cette idée selon laquelle, sous prétexte que nous avons un gros problème aujourd'hui, nous ne devrions plus traiter des problèmes qui vont créer des dommages irréversibles dans quelques années. Enfin, vous comprenez bien, c'est quelque chose qui, intellectuellement, est, à mon avis, absolument, qui n'est pas entendable. Mais ça nous pousse à faire quelque chose de très compliqué. C'est là où je vous disais qu'on a besoin d'intelligence. Hein. On a besoin de morale, de bon sentiment, mais on a besoin d'intelligence. Ces prochaines années, nous devons juguler la crise sociale, nous devons faire de la croissance économique et des revenus, et en même temps, accélérer considérablement les émissions de CO2. Voilà notre voie, c'est incroyablement difficile, mais enfin, bon, merde, quel beau projet de société. Alors, une dernière question. Peut-être simplement sur la question des victimes du changement climatique, une des difficultés, c'est que les victimes du changement climatique, elles sont situées avant tout au-delà de nos frontières, que ce soit des frontières géographiques ou des frontières générationnelles. Et donc, plus nous allons fermer nos frontières, moins nous allons voir ces victimes, mais moins nous allons être enclins à agir pour elles et à faire des sacrifices pour elles. Nos frontières sont déjà fermées et l'aviation sert surtout à les ramener avec des sparadraps sur la bouche qu'à les faire venir. Malheureusement, je suis la première à m'en attrister, mais on ne vit pas dans un monde d'hospitalité. Et la collapsologie, encore une fois, n'a rien à voir avec une philosophie de fermeture des frontières. Enfin, ces amalgames sont totalement contre-productifs. Agnès, je pense qu'un problème fondamental de la collapsologie, c'est son ambition de s'affirmer comme une sorte de science objective alors qu'il s'agit d'un courant politique qui a des idées respectables à certains égards, dont on peut débattre, mais il ne faut pas faire passer la collapsologie comme une science. C'est comme si l'homéothérapie se faisait passer pour de la médecine. Il y a une raison pour laquelle les papiers collapsologues ne sont pas publiés dans des revues scientifiques, c'est parce qu'ils ne sont pas soumis à un examen méthodologique rigoureux. C'est un courant de pensée qui peut être débattu, qui est critiquable sans doute par certains aspects, intéressant par d'autres, mais il faut arrêter de dire aux gens que c'est de la science. Je suis désolé, les collapsologues ne sont pas des scientifiques. Merci à vous tous. Malheureusement, on doit couper l'antenne. Nous pourrions y passer des heures. Ça ne veut certainement pas dire que les collapsologues ne peuvent pas partir. Je suis désolé de vous couper, mais on ne peut pas passer trop de temps non plus parce qu'on est contraint. C'était un moment passionnant. Je vous remercie tous. Merci Agnès. Merci Nicolas. Merci François. Merci aux membres du Club Boma. J'aimerais aussi parler quelques secondes de vos ouvrages, puisque vous avez chacun d'entre vous publié. Nos spectateurs voient à ce moment même les couvertures de Penser la décroissance, Inventons la mondialisation de demain et Atlas de l'Anthropocène. Merci à vous aussi sur Facebook qui avez contribué à cet échange, vif échange. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la toute dernière édition de ce cycle pendant la période du confinement. Ce sera une surprise. D'ici là, Boma continue toute la semaine. Je vous invite à suivre notre programme international en direct sur boma.global et soyez pas fous, restez chez vous.